Good morning, Aleiden, et tu seras aujourd'hui le Lunishmat Amrayon Amen Chana, Nissim Ben Ahuda, Sarah Bat Chana Rachel, ainsi que les Refouat, Ariya Kiva Ben Shachar, Betor Shachol Israël. Si vous souhaitez vous aussi dédier une prochaine étude de Lunishmat, contactez le 5 minutes éternelles. Nous étudions Masechet Avot, Perek Bet, Mishnatet. Amar Lahem, Tseuru, Ezoï Derech Yesharashit, Bagbaha Adam. Rabbi Eliezer Omer, Aïn Tova, Rabbi Yoshua Omer, Chaver Tov, Rabbi Yossi Omer, Shachen Tov, Rabbi Shimon Omer, Aroet Anolad, Rabbi Elazar Omer, לב טוב. אמר להם, רואה אני את דברי אלעזר בן ערך מדבריכם, שבכלל דבריו דבריכם. דוזם פרטי למשנה, לרסיפוק, אמר להם, צאו וראו איזו היא דרך רעה שהתרחק ממנה האדם. רבי אלעזר אומר, עין רעה, רבי יהושע אומר, חבר רע, רבי יוסי אומר, שכן רע, רבי שמעון אומר, הלווה ולא משלם, אחד הלווה מן האדם, כלווה מן המקום ברוך הוא, שנאמר לווה רשע ולא ישלם, וצדיק חונן ונותן. רבי אלעזר אומר לב רע, אמר להם, רואה אני את דברי אלעזר בן ערך מדבריכם, שבכלל דבריו דבריכם. Pour rappel, dans la Mishnah précédente, on avait appris que Rabbi Yochanan ben Zakkai était, Rabbi Yochanan ben Zakkai était le grand talmid de Hillel et Shammai. Il avait eu 5 talmidim, il avait fait l'éloge de chacun de ses talmidim, de ses disciples qu'il avait. Chacun il avait un point sur lequel il excellait. Rabbi Eliezer, Benon Kenos, c'était sa faculté de ne rien oublier de tout ce qu'il étudiait. On les révoquera ensuite dans le sujet de la Mishnah, quand on expliquera la Mishnah selon le Tiferet d'Israël. Je vous explique l'allure de la Mishnah. Il va poser d'abord la traduction de la première phrase. Tseu uru ezoi derech yeshara sheidbag ba adam. Amar lahem, il leur a dit, Rabbi Yochanan ben Zakkai, il a dit à ses 5 talmidim, sortez, voir, réfléchissez, quel est le bon chemin, le juste chemin, Ezoï derech yeshara, quel est le chemin droit, sheidbag ba adam, auquel l'homme devra se coller. Soit, donner un conseil aux hommes, un point, la Torah elle est très vaste, c'est dur de tout travailler en même temps, donner un conseil, un bon conseil, que les hommes vont pouvoir s'attacher à ce conseil, à fond, acquérir ce point, ce bon point positif, de toute leur force, et grâce à lui, ce sera la porte d'entrée pour ensuite atteindre la perfection sur tous les autres points. Donner un conseil. C'est ça ce qu'elle leur dit, c'est où sortez et allez voir. De manière générale, la re'iya, aller voir, ça ne veut pas dire aller voir par la fenêtre, ça veut dire aller voir, be re'iya sikhlit, be libirar, be chokhma, il y a marqué dans Kohelet, ça c'est le Tosfot Yom Tov. Et maintenant, cette notion de dire sortez et allez voir, alors, ça veut dire, on va directement dire ce qu'il dit le Tiferet Israël pour expliquer ça, et c'est merveilleux de la manière dont le Tiferet Israël explique la Mishnah. En fait, il leur dit, bon, vous, mes chers Talmidim, vous êtes chacun parfait. Mais essayez de sortir de votre petite personnalité. Allez voir la bassesse des hommes, jetez un œil dans la rue, regardez les gens comment ils se conduisent, et essayez de trouver un point commun, un point fort, un conseil que vous pourrez dire aux hommes plus simples qui n'ont pas encore eu la chance d'atteindre leur perfection. Donnez-leur un conseil, un seul conseil, un bon point sur lequel se travailler et s'acharner, de manière à ce qu'ils vont pouvoir s'élever et se rapprocher de vous, de ce que vous êtes. Et sans ça, la force du Tiferet Israël, qui explique la Mishnah, il fait un super pile-poule pour expliquer que chacun, son point fort qu'il avait, chacun, de ce fait, il va voir quel conseil il pourra donner aux hommes pour atteindre ce même point fort. C'est merveilleux, on ne va pas le faire tellement mes poules pâles, tellement piquant. On va essayer de rester proche du texte, mais dans Hachem, on donnera quand même un petit peu d'allure à tout. Et voilà, donc en tout cas, il leur demande, bon, allez, donnez un conseil à l'humanité, regardez. Aux hommes, qu'est-ce que chacun peut faire pour mieux s'en sortir, mieux évoluer. Alors Rabbi Eliezer Omer, Aïn Tova. Rabbi Eliezer, il nous conseille, lui, Aïn Tova, qu'il ait un bon œil. Ça implique quoi un bon œil? Le Barthénois nous dit deux choses. Par rapport à ce que lui, il a, c'est une chose, ça tourne même du même principe en fait. Mistapek Bemache Yeshlo, il se contente de ce qu'il a. Veno Mevakesh Dvarim Yeterim, il ne demande rien de plus. Il ne commence pas à jalouser celui qui a plus. Il se restreint à ce qu'il a, il regarde dans sa vie, il s'intéresse, il se désintéresse totalement de ce que les autres peuvent avoir de plus. Aucun brin de jalousie, de quoi que ce soit. Il reste avec lui-même, il se soucie de lui-même. Il arrête de sans arrêt. Il y a une grande règle.
Les yeux regardent, le cœur désire, et puis après, on est attiré par la faute. On risque d'avoir des... Moi, parce que je vais voir que le voisin, il a eu quelque chose de plus beau que moi, une plus belle voiture, ou je sais pas. Alors, du coup, je vais commencer à prendre une tête, une part de mes méninges, et à les concentrer comment est-ce que je vais pouvoir, comment je vais pouvoir, moi aussi, accumuler de l'argent pour pouvoir aller m'acheter telle chose ou telle chose. Et par là, je vais avoir beaucoup de pertes de force que j'aurais pu investir dans d'autres choses. D'accord? Ça, c'était le conseil de Rabbi Eliezer. Donc, Aïn Tova, avoir un bon oeil sur tout. Tu as, tant mieux pour toi, c'est merveilleux pour toi, mais je t'en vis pas du tout. Rabbi Yehoshua Omer, Chaver Tov. Selon Rabbi Yehoshua, lui dit non, un autre bon conseil, c'est plutôt d'avoir un Chaver Tov, un bon ami. Un bon ami, c'est pas quelqu'un qui te caresse dans le sens du poil de la bête, mais plutôt chez Mochicho, celui qui te fait des reproches, qui vérifie, t'as un ami avec qui tu te confies dans la, de la Avodat Hashem. Tu te concertes, tu vois sur quel point t'as réussi, sur quel point t'as pas réussi. Il va pas hésiter à te dire non, sur ça t'as déliré, t'as abusé, c'était pas une bonne conduite à avoir, t'aurais pas dû agir comme ça. Il va te remettre dans le droit chemin. Ça, c'est le conseil de Rabbi Yehoshua. Rabbi Yossi Omer, Shachen Tov. Rabbi Yossi Omer, lui, nous dit non, Shachen Tov, un bon voisin. La différence entre un ami et un voisin, il y a deux différences. Le partenariat met le point essentiellement que le voisin, on le côtoie jour et nuit, tandis que l'ami, c'est occasionnellement quand on le rencontre. Mais il y a d'un autre côté un autre point que le partenariat ne dit pas, mais qui est aussi vrai, c'est que Shachen Tov, alors avec un bon voisin, quand on entretient un rapport de voisinage, il ne rentre pas dans mon fort intérieur. Donc de ce fait, j'essaye de moi-même de toujours diffuser de la bonne humeur, que je domine la situation, que je suis bien, que je suis tzadik, je ne lui confie pas mes problèmes. Ça m'impose à moi de donner une image de moi très bonne. Ça, c'est le bon voisin. Rabbi Shimon Omer, Aroé et Anolad, celui qui voit, Rabbi Shimon nous dit, celui qui voit les conséquences. C'est-à-dire que chaque fois qu'il veut faire quelque chose dans sa vie, qu'il veut dire un mot à quelqu'un, reprocher ou faire un compliment, acheter, ne pas acheter, peu importe, tout ce qu'il va faire, il est sans arrêt en train de calculer les conséquences. C'est sa nature, chaque chose qu'il va faire. Ça va l'aider que, ensuite, lorsqu'il va vouloir, il va être tenté par une quelconque avéra, il va se dire, c'est vrai, je vais kiffer ce petit bout de chocolat dans les deux prochaines minutes. Mais combien après je vais payer? Combien je vais devoir me le faire extirper de mes tripes ensuite? Et inversement, c'est vrai, ça me demande un petit effort, mais combien est-ce que je vais gagner? Il est sans arrêt roé tanolad, en train de voir plus loin que le bout de son nez, le côté, que l'aspect gâchemi, matériel des choses, voire plus l'apport au long terme sur le spirituel. Et Rabbi Elazar Omer, Lev Tov. Et Rabbi Elazar nous dit non, un bon cœur. Ça implique quoi un bon cœur? Ça implique d'être sans arrêt positif. Le Barthénois nous l'expliqua cette fois-ci, c'est le Tiferet Israël qui nous explique le principe du Lev Tov. Il est sans arrêt heureux, il a toujours envie de vouloir aider les autres. D'accord? Et sur ça, il leur a dit, Amar Lahem, il leur a donc dit, Rabban Yochanan ben Zakkai, Roé ani et divré el Azar ben Arach mi divrechem. Je vois que le conseil de el Azar ben Arach, de Rabbi el Azar ben Arach, il est plus fort que celui de vous tous. Pour quelle raison? Shebichlal dvarav divrechem. Car en s'attachant d'avoir sans arrêt un bon cœur, de vouloir aider les autres, on aura gagné toutes les autres quatre maalot, tous les autres quatre bonnes conduites que les autres ont proposées. En ayant un bon cœur sur l'autre, donc tu ne le jalouseras pas, tu naturellement, d'accord, et ainsi de suite, quoi, je ne sais pas comment tous les expliquer, mais en tout cas, Bichlal Dvarav Divrechem, par lui, il est lui-même là. Moi, je vous avais demandé de trouver la porte d'accès pour la perfection, vous avez trouvé une porte, c'est vrai, c'est très bien, mais lui, il a trouvé une porte encore plus primaire, qui nous permettra d'arriver à vos quatre portes de chacun. D'accord? Ça, c'est le principe général de la Mishnah. Et c'est déjà, on n'a qu'à faire très rapidement la suite de la Mishnah, qui est apparemment la réciproque. À la limite, même les Mefarshim posent la question, pourquoi avoir eu besoin de faire la réciproque? Regardez, Amar Lahem, il leur a ensuite posé une deuxième question. Tseu ur'u ezoi derech ra'a shitrachek mimena adam. Il leur a dit maintenant, essayez de sortir donc de votre fort intérieur, et donnez un conseil à quelqu'un, quel est le bon chemin, le mauvais chemin plutôt, shitrachek mimena adam. Qu'un homme devra à tout prix partir de l'autre côté, complètement. Fuir totalement, sous peine d'atteindre le contraire de la perfection, de se détruire entièrement. Entre parenthèses, le Mefarshim m'explique que ce n'était pas forcément la réciproque.
le contraire du bien, c'est pas forcément le mal, ça peut être le non-bien. Donc ça impliquait pas, c'est-à-dire, si je t'avais dit par exemple de ne pas te contenter de ce que tu as, bon, ça c'est une bonne conduite. Alors le contraire, est-ce que ce sera le plus mauvais des chemins? On aurait pu dire que non, pas forcément. Quelqu'un qui est avide de plaisir, ben, il ne va pas atteindre le précipice. Si il se contente, il se retient, il se retient d'être avide de tout. Au contraire, il va se contenter de ce qu'il a. Alors là, il va atteindre la perfection. Mais s'il va vouloir sans arrêt cumuler des biens et des richesses et des plaisirs, est-ce que par là, il va forcément atteindre l'abîme? Alors sur ça, la Mishnah va nous dire que justement, chacun va dire réciproquement ce qu'il a. Et il y aura une petite différence au niveau de Rabbi Shimon, comme on va voir tout de suite. Donc, quel est le mauvais chemin duquel un homme devra s'éloigner au maximum? Rabbi Eliezer Omer Aïn Ra'a. Rabbi Eliezer nous dit le mauvais œil, pas le mauvais œil, porter le Aïn. Non, c'est le mauvais œil, avoir un mauvais œil surtout, un œil critique surtout, sans arrêt désirer. Pourquoi il est élevé plus que moi? Et moi aussi je désire ça, et moi, quelqu'un qui vit comme ça, il se détruit. Rabbi Yoshua Omer Chaver Ra. Rabbi Yoshua nous dit non. Un mauvais ami, un ami que, par derrière, on fait des coups en douce, ça pourrit de l'intérieur. Extérieurement, on va continuer à paraître bien, et puis intérieurement, en fait, on est en train de se pourrir, on est en train de faire des coups en douce, et de... D'accord ? Ensuite, Rabbi aussi Omer Shachenra. Rabbi aussi nous dit non, Shachenra. Un mauvais voisin. Un mauvais voisin où devant lui, on n'a pas honte, on n'a aucune gêne de se conduire, d'être le plus mal de ce que l'on peut être, et sans arrêt, donc on va partir... On n'a plus aucune image de soi positive à donner de soi, on s'en moque complètement, à la limite même, on aime bien jouer les bad boys. Et Rabbi Shimon Omer a lové Venom Shalem. Si vous faites attention, Rabbi Shimon, dans le point positif, il nous avait dit Aroé est un olad, celui qui voit la conséquence. Là, pour exprimer le point négatif, il a exprimé ça de cette manière en disant Alové Venom Shalem, celui qui emprunte sans rembourser. On va expliquer pourquoi, mais c'est exactement la même chose. C'est-à-dire, un, il calcule ce qui se passe, et l'autre, il ne calcule pas ce qui se passe. Ça, c'est en théorie, mais il a exprimé ça en disant il emprunte sans rembourser. Et sur ça, il vient, il nous précise que Echad alove mina adam, kelove mina makom baruchu. Qu'il s'agisse d'emprunter d'un homme ou qu'il s'agisse d'emprunter d'Hachem directement. Soit Hachem, il nous donne des forces, c'est-à-dire, il vient extrapoler en fait l'histoire. Quelqu'un qui est capable d'emprunter sans rembourser, regardez en quoi c'est la réciproque en fait de celui qui voit la conséquence. Celui qui voit la conséquence de ses actes, donc c'est quelqu'un qui voit à long terme, qui va naturellement renoncer au plaisir immédiat pour avoir le plaisir durable, et renoncer au plaisir immédiat qui était négatif pour pouvoir avoir le plaisir durable aussi. D'accord ? Et ça, c'était donc la réciproque de ça, ça implique non pas de ne pas calculer la suite, mais de littéralement, activement détruire la suite pour le plaisir immédiat. Je m'exprime un peu mieux. Imaginez, quelque chose qui m'a toujours étonné quand, chas et shalom, des cas d'adultère, quand des fois on en entend. C'est une catastrophe parce que, à part le fait d'avoir fait un écart, on n'a pas calculé, mais la personne qui va faire ça, il va massacrer sa vie. Donc c'est quelqu'un qui il lui manque un brin dans sa manière de réfléchir. Il va partir détruire toute sa vie. Il ne peut pas avoir juste un petit écart et puis bon, il est revenu, il a repris le droit chemin, il a consommé sur le coup. C'est fini, sa vie, elle va être détruite. Si c'était une femme, elle ne pourra plus vivre avec son mari, elle ne pourra plus vivre avec ses enfants. Elle a massacré toute sa vie pour un plaisir immédiat. Ça, c'est quelqu'un qui est capable, pour un plaisir immédiat, de tout détruire pour la suite. C'est le contraire de celui qui est roé et tanolade. Vous m'avez compris? Donc en fait, c'est ce que le Tana, il a exprimé de cette manière en disant « Celui qui emprunte sans rembourser. » Il emprunte sans rembourser. T'es fou? Si tu as besoin d'argent et que tu empruntes et que tu ne rembourses pas, ben demain, personne ne va te prêter. Personne ne va te prêter. Tu vas mourir de faim. Alors qu'est-ce que tu fais? Non, pour le moment, j'ai réussi à gagner. J'ai réussi à chipper 10 shekels. Et demain, tu vas te faire avoir. Il n'y aura plus personne qui voudra t'aider. Et après, puisque tu réfléchis comme ça, alors qu'il s'agisse de celui qui emprunte des hommes, de son prochain, ou bien tout simplement celui qui emprunte du ciel, Hachem, il lui donne des kohotes. Et qu'est-ce qu'il va faire avec ses forces, avec tous ses atouts qu'il lui donne? Il va faire le mal. Il va faire du mal pour un plaisir immédiat, et puis il va massacrer ensuite la possibilité ensuite de rectifier la suite. Donc c'est ça, Echad alove min adam, qu'il s'agisse de celui qui emprunte d'un homme, ou kelove min amakom baruchu, pour qu'il emprunterait même d'Hachem, qui vérole. Sheneemar, comme nous dit le pasuk, love racha velo yeshalem vetzadik ronen venoten. Le racha, l'impie, il emprunte et il ne rembourse pas, et vetzadik ronen venoten.
Le passage vient nous dire, selon le Barthélemy qui nous explique, sache que toi tu fais le malin, tu crois que tu empruntes, et tu rembourses pas, et tu crois que tu as réussi à l'avoir. Sache qu'il y a quelqu'un d'autre qui vient par derrière et qui va le rembourser à lui. Il y a le tzaddik. Hachem, il va venir, la hashgacha d'Hachem, elle va faire que celui qui s'est fait arnaquer, il va pas perdre au final. Mais sache que toi, pour le moment, qui a emprunté sans rembourser, toi, tu vas donner des comptes très grands. D'accord? C'est ce qu'il nous dit le pasuk. Rabbi Elazar continue en nous disant, lui, lève ra, celui qui a un mauvais cœur. C'est-à-dire, il est sans arrêt en train d'avoir toutes sortes de mauvaises midotes, de désirer toutes sortes de choses, de vouloir le mal des autres, ne jamais se moquer complètement d'aucune considération de quoi que ce soit, que pour son profit personnel, tout le temps. Et donc sur ça, il nous a dit, donc ça c'est la plus grosse des midotes mauvaises à fuir, et sur ça, il leur a répondu, Amar Lahem, il leur a dit ensuite, Rabbi Yochanan Rabban Yochanan Ben Zakkai, Royan Yedivre Lazar Ben Arach, Midivrechem, je vois la justesse des paroles de Rabbi Lazar Ben Arach, plus que celle de vos paroles, pourquoi? Shebichlal Dvarav Divrechem, car ses paroles à lui incluent toutes vos paroles, selon le même principe qu'il y avait dans le Risha. Un petit mot quand même très rapidement pour vous expliquer le merveilleux commentaire du Tiferet Israël qui explique que chacun il avait un point fort. Chacun avait un point fort et selon son point fort, il a été capable de dire que la porte d'accès pour avoir cet atout-là que j'ai moi, sachez que c'est par là. Donc chacun, selon ce qu'il était, il y avait par exemple Rabbi Eliezer Ben Hurkanos, lui qui était quelqu'un qui était capable de tout retenir, il avait un zikaron, une mémoire extraordinaire, de tout retenir sans jamais rien perdre avec tous les moindres détails, alors lui, il va nous dire, ben sachez que moi, mon point fort, mon atout, je peux vous dire que je le reçois par le fait que j'ai Aïn Topa, que je n'envie rien de personne. Je perds aucune méninge, aucun neurone de mon esprit, il est concentré à savoir qu'est-ce que je vais pouvoir acquérir, qu'est-ce qui va pouvoir m'intéresser chez l'autre. Je me concentre sur moi-même en train de toujours réviser et reprendre sans jamais m'intéresser à l'extérieur. Et ainsi de suite, vous allez avoir que par exemple, Rabbi Yoshua Omer, il va nous dire « Chaver Tov », un bon ami. Rabbi Yoshua, lui, bon là c'est bien un peu plus subtil, je préfère le sauter comme ça, ça va pas être un cours trop long. Mais par exemple, reprenez Rabbi Yossi Omer, Chachen Tov, lui c'est le plus flagrant. Rabbi Yossi, lui il avait dit là-bas, sa mida c'était d'être un chassid. Il faisait toutes les midotes avec splendeur, avec zèle. Et sur ça, il nous dit, ben c'est justement un Shachen Tov, si on se crée une ambiance entre nous de vivre, comme ça que chacun essaye de faire le mieux, alors ça va catalyser encore plus notre bon atout. Et ainsi de suite, vous allez avoir Rabbi Shimon Ben Etanel, que lui, il avait la crainte du ciel, une très forte crainte de la faute, il prenait des grandes distances, parce qu'il était justement Roé Tanolad, et ainsi de suite. Regardez dans le Tiferet Israël, vous allez sans aucun doute apprécier chacune de ses paroles merveilleuses. Et c'est tout pour aujourd'hui, je vous souhaite une journée pleine de la Sacha comme tout, salam.